95 fois sur 100, ça marche. C'est vrai. C'est bien ça. En plus, on l'a fait toujours à la fin, parce que... Alors, dernière fois, on a fait son Daniel. Un seul être vous manque et tout était plus plié. Merci. Vous avez dit que c'était ma fête ce soir. La femme qui possède tout en elle, pour donner le goût des fêtes charnelles. La femme qui suscite en nous tant de passions brutales. La femme est avant tout sentimentale. Main dans la main, les longues promenades, les fleurs, les billets doux, les sérénades, les crimes, les folies, que pour ces beaux yeux l'on commet, la transporte. Mais 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'heure de chair, elle est souvent triste, peu chère. Sinon t'as le cœur qui bat, le cœur non plus ne ronche pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse, toujours sensible alors à ses caresses. Toujours bien disposée, toujours emplie à s'émouvoir. Elle s'emmerde sans s'en apercevoir. Ou quand elle a des besoins tyranniques, qu'elle souffre de l'infomanie chronique. C'est elle qui fait alors passer à ses adorateurs de fichus quart d'heure. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. Sinon, dans le cœur qui bat, le cœur non plus ne ronche pas. Les encore, mais c'est bon, les continue. Quel cri pour simuler, qu'elle monte en nu. C'est pure charité, les soupirs des anges de sang, tant général que de pieux mensonges. C'est à seule fin que son partenaire se croit un amant extraordinaire. Que le coq imbécile et prétentieux percher dessus ne soit pas déçu. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'heure de chair, elle est souvent triste, peu chère. Sinon, ton cœur qui bat, le cœur non plus ne ronge pas. J'entends les bons trains, les commentaires de ceux qui font des châteaux à citerne. C'est parce que tu n'es qu'un malhabile, un maladroit, qu'elle conserve toujours son sang-froid. Peut-être, mais si les assauts vous pèsent, de ces petits matus quand je pèse, mesdames, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez in petto. 95 fois sur 100. La femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de la chair, elle est souvent triste, peu chère. Si dans ton cœur qui bat, le cœur non plus ne ronge.